passionné. Vouloir démontrer des choses, apprendre des choses aux jeunes. Puis un compétiteur. La passion. Moi, je pense que c'est la passion. La patience. Puis aussi l'enthousiasme. Quelqu'un qui veut aider, donc qui s'en fait pour les autres. Puis quelqu'un qui est un bon modèle, un bon leader. Passion, patience, puis communication. Ponctualité, respect, puis surtout être juste envers tout le monde. Respectueux, organisé, leader. Passionné, éthique de travail, puis discipline. Un passionné, patient, puis love the game, aime la game, il faut vraiment... Professeur, grand frère, puis un bon écoute. Respectueux, communicateur, je dirais rigoureux. Organisé, travaillant, respectueux. Rassembleur, compétent, dynamique. Compréhension, rigueur et attitude. Disponibilité, compréhension, savoir. Ça prend communication, être à l'écoute, puis aussi être exigeant. Je pense que c'est important dans les niveaux qu'on coach. Être passionné parce qu'il faut que c'est pas une job facile. Beaucoup de respect. Partenaire de travail, les enfants aussi, puis essayer d'aller chercher un petit peu de plaisir là-dedans, parce que s'il n'y a pas de plaisir, je pense qu'on ne ferait pas ça aussi. Respect, communication et engagement. C'est déjà tout.